brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Hey, bonsoir à toutes et à tous, c'est 8h65 et on se retrouve sur Uncharted pour un live ce soir. Et salut Mangazor, salut Sobeka. Eh ben écoute, amuse-toi bien Sobeka. Pas de soucis. Merci d'avoir laissé un petit message. Mais comment vas-tu Mangazor? Enfin comment allez-vous tous les deux? Même si je sais que Sobeka peut potentiellement ne pas répondre. Mais pas de soucis. Alors, comme je disais au tout début, dans ma petite... à chaque fois, vous savez, je mets un petit message au tout début. Je vais faire une petite revue de ce qu'apporte la mise à jour dans la 7. Alors, c'est à 0.7.1, je crois. Je crois que j'en avais parlé durant un live dans la semaine. Donc, voilà, il y a plusieurs trucs qui ont été ajoutés. Alors, je fais un résumé vite fait. Hein. Ah mince, ça travaille demain. Ça sera travaillé ce week-end, j'imagine. Ce week-end, je pense. Du coup, bon, demain, console-toi en disant que ça sera payé plus cher. Voilà. Mais c'est vrai que c'est chiant. Je comprends. Mais sinon, moi, ça va. ça va. Du coup, oui, voilà. Je vais faire donc, avant d'aller en jeu, on va faire un petit point sur ce qui a été ajouté. Donc, maintenant, chaque biome qu'il y a sur la map intègre des salles creuses qui contiennent des ennemis et des défis du niveau du biome à proprement parler. Il y a de nouvelles quêtes vers le nouveau contenu, donc qui sont données, le nouveau contenu hein, c'est des salles creuses, ces quêtes sont données par l'alchimiste. Il y a de nouveaux ennemis, il y a un nouveau survivant je crois, PNJ, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Je crois qu'avant, il faudrait que je regarde mes vidéos, mais... On avait que jusqu'à la fermière, et là il y en a un sixième. 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, il y en avait 5 et je crois que maintenant il y en a 6. Il y a des nouvelles armes, des nouveaux blocs de construction et aussi des nouveaux crafts. Donc, alors j'ai mis, dans mon résumé, j'ai mis autre craft, en fait c'est tout ce qui est meubles et accessoires. Donc voilà, c'est des crafts d'embellissement de la maison. Ensuite, il y a aussi des nouvelles stations et de nouvelles recettes d'artisanat. Une possibilité d'avoir des plantes en pot grâce à la fermière. Un nouveau style de porte et de fenêtre, ça on va le voir vite hein, parce que... enfin non, on l'a pas encore le charpentier servi, je l'ai sur ma partie perso. Je l'ai pas sur celui-là. Et une possibilité maintenant de s'asseoir sur les mobiliers. On peut s'asseoir sur les chaises, sur les bancs, sur les toilettes. Parce qu'on peut mettre des toilettes. On peut s'asseoir sur tout. Voilà, les chaises, les bancs, tout ça. Il y a aussi une amélioration de la ville de Willow Crush, ainsi que d'autres domaines aux alentours dans d'autres villes. Et aussi, là c'est sur les nouvelles choses qui ont été débloquées dans le monde. Et après, maintenant, on a la possibilité de splitter les piles d'objets librement. Bon, je vous montrerai ça quand on sera en jeu. La possibilité d'utiliser les objets des coffres magiques dans les stations de travail. Donc, j'en parlais, je crois, avec Azul la dernière fois. En fait, on pouvait pas aller piocher avec, par exemple, la forge. On pouvait pas aller piocher dans les coffres. Maintenant, on peut.
quand on a des coffres magiques, on peut piocher dedans. Et une nouvelle, alors il y a une nouvelle façon de collecter les butins des coffres et des cadavres. Alors ça, pour y avoir joué pas mal avec ma partie perso et mon perso, il va me falloir du temps, un bon temps d'adaptation, parce que j'ai vraiment l'habitude d'appuyer sur espace et c'est plus espace. Maintenant, il faut faire E, donc pour collecter comme avant, il fallait faire E. Et si on veut tout collecter, c'est F. Sinon, E pour récolter objet par objet. Et aussi, on a une dernière possibilité. Alors, j'ai pas tout listé, c'est hyper grand, les améliorations UI, tout ça. J'ai vraiment listé les nouveautés. On a une possibilité de fabriquer des piles d'objets. On n'est plus obligé de fabriquer objet par objet, on peut faire des piles de 10 objets. Voilà. Donc voilà pour le résumé, on va dire un peu succinct de ce qui a été à jouer, à ajouter, pardon. Allez, on va aller voir ça de suite. Tac. Ouais, le coup de pouvoir faire plusieurs objets d'un coup et tout, c'est pas mal. Et même le fait de splitter, tu vois. Alors attends, est-ce que ouais, bon, ça c'est bon, on a 3 sur 4, ok. Allez, vire-moi ça, s'il te plaît. Allez, bon, on va aller voir quelqu'un d'autre. Hop. Ah, si je me mets sur les clous, maintenant on a mage plus espace, ça fabrique 10. Alors 10 x 20, du coup, hein, ça fait 10 stacks, enfin 10 objets à chaque fois. Donc là, c'est comme c'est x2, ça fait du 20. Mais voilà, on peut maintenant certains objets les fabriquer par 10. Alors je sais pas si à terme on pourra modifier ça, mais pour le moment, hein, c'est franchement pas trop mal. Ça, voilà, le coup du split, maintenant ça s'organise comme ça et on peut choisir. On choisit. On peut faire aussi avec ça. Hop. Et avec quoi d'autre? Ah oui, et hop, ce que je disais, le fait. Ils ont revu, je crois, l'interface. Naviguer dans les procédés, je suis pas sûr que c'était comme ça. Et en fait, on peut maintenant faire plus 1 ou plus 10. Et ça nous ajoute directement les objets dedans. Et il manque de la terre. Hop, j'aimerais que tu me fasses un peu de goudron, tiens. Alors par contre, on peut pas aller directement dedans. Enfin, je veux dire, je peux pas aller dans les coffres. Mais c'est bien. Qu'on puisse pas choisir quoi, le plus 10 sur les objets, les stacks d'objets, ouais, c'est... Je pense, à terme, ils le feront peut-être. Là, tu vois, ils ont déployé au moins, franchement, de faire du x10, c'est bien déjà. Moi, je trouve que c'est bien. Ça me permettra de pas avoir à faire 15 000 fois espace pour faire une vingtaine de, je sais pas moi, de clous par exemple. J'ai juste shift F space, ça me fait, j'en ai fait une fois et ça me fait les 10 clous d'affilée. Pourquoi tu me mets 220, j'en ai pas 220. Il faut combien, il t'en faut? Ouais. Oh, vas-y. Prendre, j'ai mis 10, ça fait 200 ça. Ouais, pareil là, et quand on n'a pas les objets dans les coffres, ça nous met en grisé. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu m'as fait de la fourrure sèche. Bon, c'est bien, il va falloir te faire ton petit coin à toi. Alors, danger de l'élixir. Sang de flamme, vous portez l'élixir. Par pitié, faites très attention, je vous en prie. L'amène la corruption et la mort. Je l'ai vu de mes yeux. Ah ouais, t'as dû voir le type arriver là. C'est vrai qu'il avait une tête bizarre. D'abord, il semble renforcer le corps, mais il pourrit l'esprit. Je vous en prie, ne buvez pas l'élixir. Ouais, pas de soucis, on ne boira pas. Je vais le ranger. Une place. De la place. Hop, voilà, tu vois, il l'a rangé. Ça pue. Il me manque un sort que j'ai pas eu. Que j'ai dans ma partie perso, mais que j'ai pas ici. Un peu d'ail. Ah non, il est là. C'est juste que je l'ai rangé comme un con. Et celui-là, il est bien. Parce qu'en fait, il est pas unique. Comment dire, enfin, il est unique, mais non, c'est pas ça que je veux faire. D'ailleurs, on va inverser. On va prendre le bâton. Il est infini.
On peut l'utiliser à l'infini. Bah, si on a du mana. Mais on peut l'utiliser à l'infini. Et ça, c'est cool. Toi, je vais te mettre ici. J'utilise plus le sort de glace que ça. La masse de malheur, franchement. C'est pas que je t'aime pas. Mais tu t'en vas. Baguette bouillante, baguette gelée. Voilà, comme ça, au moins, ça permet d'avoir. Soit. Tout ce qui est résistant au gel, souvent c'est pas très résistant au feu et inversement. Donc voilà. Allez, on va commencer. Je l'avais dit. C'est par faire la maison de la chasseresse. D'ailleurs, il me faut peut-être les affaires avant. Ah, si je me plante. Et bien sûr, hein. Maison en bois. Trop bien la maison en bois. Et on va la mettre. Fais voir mon placement. Je peux pas aller plus loin que ça. Ça va. Ça, on va le faire de suite. Améliorer l'hôtel. Voilà. Vainqueur de brume. Permet d'augmenter. Elle est où la limite? Elle est ici. Ok. Je vois quand même les escaliers. Déjà, je vais planter les trucs, mais il faudra que je vois comment le faire monter. Pas du tout ça. Je sais plus si je m'étais fait des effets chapeautage. Là c'est pareil, on va modifier un petit peu. C'est pour ça que j'ai dit réaménagement, parce qu'on va réaménager un peu le coin. Échafaudage, j'en ai fait ou pas? Allez, sois pas dissident. Voilà. Hein, sois pas dissident. On échafaude. Je sais pas si on sera bien là. On sera assez haut, ou si je mets une hauteur de plus. On va peut-être mettre une hauteur de plus. Ça a l'air d'être bon. Non.
Les pieds. Vachement sympa que ce soit cybermissile comme. Aïe! Bobo la tête. Enfin, bobo le pied plutôt. Je trouve ça vachement sympa que ça soit si permissif qu'on pense plus remonter. Acheter coffre avant d'aménager. Oui, c'est possible, oui, on va acheter coffre. Ouais. Faudrait. Faudrait. Le but, c'est le château au fond. Le château au fond? Celui-là, là? C'est non, là, celui-là. Si c'est celui-là, c'est celui d'où on vient. C'est celui de. Le château que tu vois là-haut. C'est celui. Normalement, si je me rappelle bien, c'est celui d'où on vient. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais, comme ça, on lui fait des jambes, ce. Cette tour, c'est un peu comme une tour de guet. Merde. C'est les gueules. Ça me va pas. Je veux que l'escalier reste dessous. Et passe pas des pieds. Un colimaçon. Ouais. Et si tu veux, cette structure là, elle dépasse si je le mets pas comme je viens de le mettre. Boum. Parce que j'ai fait la même j'ai fait la même une partie perso. Hop. Sur le colimaçon du mauvais côté, moi. Non, c'est bon.
Ça me plaît pas bien. Mettre là. Voilà. Très bien comme ça. Ouais. Mais parce qu'il s'agit de pas se casser la gueule. Je vous en passe pourquoi. D'accord, il lui s'est calé là-dessous. Ok. Il pourra sûrement l'enlever quand même. C'est pas grave. Ça va, c'est bon, c'est bueno. Mur. Ah, je sais pas de me casser la gueule là.
maintenant, il va bientôt faire nuit et... Je sais bien que je peux mettre l'accrochage. Et voilà. Manque plus que le toit. le toit. Alors je passe là. Oui. Pile poil. Dans la zone de construction, ça va être chiant ça. On va pas le faire là. On va pas se mettre là pour le faire. Oh oh. De dos. Ça sera la nuit plus vite. Et toi, du coup, on va le faire en fibre. Ça fait un peu cabane qui est. On va faire un style cabane dans les arbres. Dans le genre, quoi. C'est bon. Faut se lever. D'ailleurs, une fois de la fibre, du coup. Il faut faire des trucs, des blocs en fibre. Ouah, ça va suffire. Bien là. Cette fibre. Je te fais pour rien. Alors, fais voir. Ouh, ça me va. Et l'intérieur, fais voir. Ah, parfait. Ah, elle va pas être bien là. J'ai pas pris ça, ça truc, je sais pas. Il m'en faut combien par contre? 4, 5, 6, 7, 8, 12.
faisait pas beau. 12. Barrière. Cette ficelle, ok. Et les constructions, j'en ai plus besoin. Les échafaudages non plus d'ailleurs. Donc pour le moment. Toi, je peux en faire 10. Ok. J'ai de la fibre, c'est pas grave. J'ai vu un loup. Un coup, ok, peut-être un peu maintenant. En plus, il fait jour, on va aller faire un petit tour. Allez, un petit tour du côté de. Donc keep. Yeah. J'ai cru entendre un loup. Ah voilà. Et là, maintenant je peux m'asseoir. Plus obligé de faire X dessus. Je peux s'asseoir directement. Bon, on a le droit de tout péter aussi, c'est plutôt marrant. Ah, j'avais pas lu ça. Alors, journal du capitaine, jour 1. Protégez la jambe jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a dit l'ancien avant d'entrer avec une poignée de nos meilleurs guerriers. C'était la première fois que je voyais un de ses semblables. Je pense que ce sera la dernière. Mon visage est gravé dans mon esprit. Ma vie et celle des soldats qui me restent sont vouées à ce devoir sacré. Je crois qu'on a débloqué quelque chose. Il faudra que j'aille voir dans les quêtes. Hache magique que celle-là? Pourquoi? La case détente. Ouais, c'est ça, elle peut tout casser. Oups. La pioche aussi, elle peut le faire.
Allez, hop, on s'en fout. Et du coup, ce que je disais à Azul, on peut pas le détruire. On peut pas détruire Longship. On peut pas détruire les murs, le sol, on peut rien détruire. Non, ça je m'en fous. Déjà vu. C'est bon. Et on a ramassé ce qui prévalait le plus. Ouais, non, heureusement tu peux pas te détruire. Ouais. Après, ça serait marrant de pouvoir détruire tous les villages. Mais c'est vrai que oui, ça serait un peu pété. Ouais, c'est bon, tout. Et... Ah oui, comme je suis plus avancé sur la partie perso, du coup, maintenant, je récupère l'eau. et j'explique, enfin, on verra pourquoi plus tard, quand on aura débloqué pas le prochain. Enfin, le prochain, ça dépend qui ça sera, mais... Enfin, peut-être pas le prochain survivant, mais celui d'après. Alors, de la ficelle... J'ai plus de temps de placement pour la pierre. Ça, il est verrouillé, franchement. Hop. Là, tout ça, ça va nous faire un petit bonus. Tiens, prends ça. 14, je suis à 22. En plus, ça est bien mieux. 14, je suis à 20. Et 20, et elle fait quoi celle-là? Elle fait de la glace, mais elle est 14 aussi, et elle n'est pas épique. Hop. Et les perrouillés. Hop, voilà. Alors, je sais pas si on pouvait le faire avant, j'avais pas fait gaffe. Maintenant, on peut les démanteler. L'arc, il est moins bien, aussi. Ça, c'est bien. La grille, ouais, ça va demander. Je crois que c'est la fermière, mais je me demande si le charpentier aussi, il demande pas beaucoup de ressources. Je me rappelle plus trop. J'ai dit qu'il en fallait 12. Voilà. Lui ressortait, j'aurais pu le faire ressortir du coup. Mais d'avoir un escalier intermédiaire de 1. Ouais, ça aurait fait un truc plus sympa. Ça ressort de beaucoup quand même, non? Ça ressort de pareil. Ça ressort de pareil.
Ouais, ça doit être pareil. Entre ça, ça ne va pas du tout. Bon, c'est pareil, il se refermera ce trou. Hein. Il se refermera, c'est pas un problème. Hein. Un piège. Le trou que j'ai fait, oh, ça peut. Complètement. Hop. C'est bon. Hop, vous connaissez ma propension à me casser la gueule. Arrêtez des marches et trucs comme ça. Moi, ça retient. Manque des pics. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait, ouais. On y met des pics là-dedans et ça fait piège. C'est pas bête. Par contre, c'est le nom, c'est bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à invoquer. Je te récupère ça, toi tu vas là-haut. Talent inscrit. Je vais te mettre ici, tiens. Ah. Ton support de séchage. On va le mettre là. Parfait. Voilà. Là, faut le sécher. C'est beau, t'es contente, t'es bien là. Ah, on est bien là. Faire des flanches en ferraille, ça, je m'en fous. On est très bien. Je crois que le fait de pouvoir démolir, c'est parce que c'est dans notre zone de construction. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Oh, la masse de malheur, elle fait 63 en démantèlement. Avec la pensée, ouais, c'est ça. Avec les pouvoirs psychiques. Ouais, j'aime bien ma petite tour. Bon, après, elle est un peu grande quand même. Hein. Bon, c'est une tour de guerre. Enfin, elle est un peu grande, mais pas. Et je pense que le haut. L'espace est pas assez grand. On aurait dû être un petit peu plus haute, mais bon. Bon. Niveau hauteur de l'habitation. Toi t'en as assez, la farine d'os.
Qu'est-ce que je fais avec ça? Yeah, c'est ça que je veux là. Hop. Les blocs, les blocs. Ouais, t'as vu, t'es content, hein? J'ai mis un coffre. Tu l'avais déjà ce coffre, mais. Non, pas la bouffe. Un peu coffre intégré, sympa. Je vois si tu auras droit à ton coffre. J'ai fait le trou. Je passe toujours par là, mais une porte. Ah, si je passe. Quoi, ici là? Ouais, c'est parce que c'est plus pratique que d'ouvrir les portes, c'est pour ça que je passe par là. Mais bon, c'est vrai qu'on devrait plutôt utiliser le. Les portes. Ok, baguette crépitante, ma brûlante, elle est mieux. Bon, elle est mentale. Tomahawk, je le démantèle. Oups. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on peut passer là sans que les prédateurs puissent rentrer. Normalement, ils peuvent pas. C'est bon. Et ils peuvent pas non plus. Alors, est-ce qu'on peut... Il manque des clous, ok. Eh bien, on a plein de ferraille. Si on va lui faire un petit coffre... La seule personne qui aura pas de coffre, c'est la chasseresse, parce que c'est trop... Et que j'irai quasiment jamais. Juste pour aller la voir, elle. Toi. On va en faire deux. Peut-être pas mal. Voilà. Ah, pour le RP. Après, c'est vrai que t'as raison, faut peut-être qu'on lui en mette quand même de coffre. Et chasseresse, elle a le droit à un truc en hauteur, je sais pas. le sel. Ah oui, le sel, sel. Bon, je te jette.
Ouais, je vais transformer. Ah, il faut qu'on aille chercher de la brume liquide. Un petit coffre au pied de mon lit. Et du coup, on va chercher de la brume liquide. Je suis comment, moi, en bouffe? Pas non plus. Il faut quoi pour faire des fioles de survie de la brume? Un site de bois, mais sinon tu peux le faire, ok. On va pas très très loin. La baguette brûlante. Les boules de feu. Le beurre, l'argent du beurre et l'infirmière, ah oui. Oui, on ira la chercher, ouais, bien sûr, l'infirmière. Mais je sais pas encore quand. Faut qu'on aille la chercher, elle. Et je me demande si on va pas aller chercher le... Je sais pas si on va chercher elle ou le charpentier en premier. C'est bon, lui il est mort. Du coup, comme je le disais, voilà. Là, maintenant, c'est F ou E pour récupérer. Alors, E, c'était déjà le cas, je crois, mais F, par contre, c'était plus le cas. Enfin, c'était pas le cas. Ça me fait de la baume liquide. Lesquels champis? Ceux-là là? Ceux que je viens de buter? Ah, le coffre. Un bridou. Ah, les blancs là? Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. C'est possible. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'est possible. Tu vois, ils t'embêteront plus, je les ai décimés. D'autres. Le truc, c'est que je suis obligé de passer dans ces champs là, il me faut de la brume liquide. On se désembrume, on se rembrume.
Combien j'en ai? 57. Ah oui, quand même, j'ai fait le plein. C'est très efficace. Si je peux en faire quelque chose de ça. Ah, il y avait un type dessous, d'accord. C'est pour ça que ça faisait une lumière bizarre. Pas besoin du truc de la brume, mais j'aimerais bien récupérer encore des champis là. Bon, quoi que des brumes liquides, on en a plein, allez. On rentre à la maison. Salut toi. La flemme de courir. Ok, ça démantelé, ça démantelé. Ça en est déjà plein. On peut pas les démanteler, c'est dommage. Ah, maintenant on va faire un petit tri, comme tu as dit. Tu as raison, il faut trier. Parce que survie de la brume, c'est via là. La bouffe. Mettre ça comme ça. Bon, j'ai mis un peu plus tard les os. Okay. Pourquoi tu me récupères pas celui-là? Et la masse paf. Les objets ici. Hein? Toi t'as quoi? T'as juste les os en procédé? C'est qu'on en a le bois de brume, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin d'un procédé là, mais bon. Pas d'autres procédés aussi. Même le bois maintenant, j'ai envie de dire. Maintenant qu'on peut tirer directement sur, sur le truc, autant le mettre dans un endroit unique. Divisé comme avant. Ah, de la brume liquide, des lucioles. Lui, il veut quoi? Je crois qu'il veut la résine. La moisissure, il la veut. Ah, j'ai lu, je parle du... Le chimiste. De brume, je me demande si c'est pas le charpentier qui voudra. Tout récupérer. Hein?
Donc tout, mais pas tout comme alors, le feu, tu le gardes. Non, les objets de construction. Ça peut être très bien dans les armes. Les morceaux de bestiole, c'est... je sais qui est le. On va faire une petite pause quand même. Hop. Morceau de bestiole, il veut aussi les lucioles. Enfin, il veut. S'en fout. J'ai les lucioles ou pas? Oui, je les ai là. Je veux dire, si du moins des utilisations, c'est lui qui l'utilise le plus, quoi. Le bois de brume, la monstruosité. Tissu. Du son, je vais le garder. Pierre. Le bois, il est où le bois? Bloc de route en terre. Voilà, terre aussi. Les décombres, le bois de brume. Cire, j'ai pas su dire qui en avait besoin. La farine d'os, c'est pas ici. La fibre. Toi et la pierre de silex. Et démanteler. Le livre ancien, ça sert juste à la déco. Celle, ça va aller là-haut, les écussons c'est pareil. J'ai plus de fourrure. Si, là. Fleur, ok, la fourrure séchée, qui c'est qui veut la fourrure séchée? La fourrure séchée, on va la mettre ici. Ici, je vais mettre des trucs. Un truc d'amélioration, mais en fait, j'ai que ça. Bah, c'est celui-là, on va aller le mettre là-haut. De me faire coucou tout le temps, mais coucou quand même. Il faut vraiment qu'on te mette par entre la lumière, ce serait pas mal. Et la fourrure. Alors quoi qu'il arrive, elle peut accéder à un... En fait, tout ce qui est dans la zone de construction, donc on peut y accéder. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau RP, c'est bien qu'elle soit là. Brandy, je crois que c'était ici. Là, il est fou là. De tissu, je sais pas ce que je vais en foutre en plus de ce tissu. Qu'est-ce qui me manque ici? Ça, j'en ai besoin, mais que si j'ai plus de ça, quoi. Franchement, à 11. 20 minutes, ça va. C'est chiant, on va mettre les fioles. Ça libérera de l'espace. Voilà.
Bah allez, alors voyons voir un peu les trucs. Ça, c'est quoi qui a un plus? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un truc en plus sur une table de nuit. Ah. Bon. C'est les portes. Je sais plus si on les avait, les portes rondes. Non, on peut se faire des fenêtres rondes. Puis aussi. Déco murale, mais j'ai pas encore les planches de bois. Hein. Encore un petit moment. Alors, je vais voir les quêtes. Qu'est-ce qu'on a? Grandir plus fort ensemble. Donc ça allait chercher la fermière. L'aide à la menuiserie, c'est le charpentier. Obélisque flamme, ça, je peux le trouver. Et couvre l'obélisque brume. Il est pas très loin, ouais, l'obélisque flamme. C'est pareil, ce sanctuaire, c'est pareil, on n'est pas très très loin. On va aller faire l'obélisque flamme, tiens. Après, niveau organisation, ici, pour le moment... À part un futur rangement, si il faudrait que je modifie un peu la maison, mais encore un peu. Ouais, on va un peu. Allez. Téléporte-moi. Bon, mange. Mange. Ah. Ça. Ah oui, marqueur personnalisé. Et remagasin. Téléporte. Ah si, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. Il était tout seul. Alors, 260 mètres. Alors, il est où cet obélisque? Une caverne. Kaboom. La corruption, non, ça touche pas les animaux, je crois pas. Ça touche que les humains. Et du moins, j'ai pas vu d'animaux possédés, même dans les herbes. Une autre lame gémissante. Même dans les, comment ça s'appelle? Ça fait 22 ça quand même, niveau 3. Là, ok. Même dans la brume, enfin pour le moment, j'ai pas vu d'animaux. Même dans ce jeu, les animaux ils trichent, tout à fait. Les tricheurs, les animaux.
Et on récupère ça. Hop. Est-ce que j'ai des crochets? J'ai plus de crochets. Est-ce que je peux me faire des crochets? Oui, je peux. Ça, c'est pas... C'est pas très intéressant, au final. Coûter de la ferraille pour rien. Donc, on peut pas aller plus loin. Alors, il est où, cette Sobelix, là? J'ai envie, comment le répondre, qu'il est avec Astérix, hein. Il est là-haut? Peut-être. C'est... J'y vais de la tour de l'alchimiste. T'es où toi? Ça prend un coup de lame frémissante, hein. Pas le temps de tergiverser. J'avais pas le temps de tergiverser. Il est badass ce bâton, j'aime bien. Pas besoin de me guérir, c'est bon. Je sais plus si on pouvait partir de tout en haut, on m'en rappelle plus. Ah, c'est par où? Ah, d'accord. Voilà, merci. Allez, on grimpe. C'est là qu'il était, le petit bonhomme. Je vais sortir d'ici. Voilà. Merci. Je
On va remonter jusque là-haut. Ouais, trop loin du coup. Ah, il y a un coffre. Venu pour rien. Heure que long de la forêt. Il fait 10, en puissance, lui fait 15, c'est pas la peine. À voir où c'est qu'il faut aller pour choper le disque. Oui, tout en haut. Bien sûr, il conserve pas ça comme de la route. Ouais, je suis complètement venu pour rien, je suis d'accord. Ah, des fois c'est sur des points surélevés et des fois c'est pas le cas. Et quand c'est pas le cas, c'est chiant. C'est par là. Je me demande si après on n'ira pas chercher le charpentier. Tiens. Ah tiens, il faut ça. Du miel. Avec toi. Alors, on arrive où? Arpent paisible. Ah, c'est bien, mais en même temps, c'est chiant aussi qu'on puisse pas traverser comme ça, comme on veut. Mais c'est bien. T'oblige à chercher le bon chemin. Eh, viens petit loup. Toi, je t'ai pas paré. Pourquoi tu bouges pas? C'est un peu con ça. Bouger, hein. Il aurait pu m'attaquer. Oui, il serait mort dehors, mais quand même. Ah. Ça, c'est corrompu, ça. D'accord, il y a de la corruption. Aïe. Bobo. Sérieux, je suis mort là, quoi. Juste. Mort par l'environnement. Ça parce que j'ai voulu aller trop vite, ça, bravo. Faut qu'on parte par là-bas, du coup. Pas grave. On est tout dégoûté.
Oui, j'étais bête, hein. J'ai un, comment ça s'appelle? Ah, un hôtel sur moi, j'aurais. En plus, il me reste un emplacement, je crois, d'hôtel. Oui, il m'en reste un. J'aurais très bien pu le placer. Tant pis, j'ai pas pensé. Comme dirait l'autre, try again. Sérieux, il y avait un truc là. Par là, y a rien. Et où cet obélisque? Allez voir ce qu'il y a là-dessous. Et là, ma torche. Oh, des araignées. Des araignées. Ça aime pas le feu. Non, c'est la glace que ça aime pas, je crois. Ah, je sais plus. Merde. Plus, ouais, c'est ça. Bon, par contre, après, hop. Ça, ça c'est 14, ça c'est 22. On a dit qu'il n'était pas bien. Non. Pas qu'on équipe. Oh, j'ai dit que j'avais déjà. Oui, je veux bien que tu me démantèles. Voilà, déjà ça fait un peu plus d'emplacement. Hop. Je sais pas si c'est pas efficace ou si c'est efficace, mais en tout cas là ça l'a été. Merde, je dis je prends. Voilà, merci. Alors, hop. 6% de sang suivante. Allez, salut Canton, comment vas-tu? Bon, ça. Merde. Ah, mais on a déjà un devis infini, d'accord. Tant pis. Ça, c'est plus 8 d'endurance. 8 d'endurance, c'est bon.
Ouais, j'avoue, la mage est vachement sympa, ouais. Surtout le truc de splitter les coffres, c'est cool. Et bon, mais après, ouais, la mage en elle-même, ouais, est vachement sympa. T'as presque fini le jeu? Ah, moi, je suis encore loin. Hein. encore loin. Bon, là, y'a rien. Donc on a été où? On a fait le tour. Voilà, c'est vide. De l'eau. Là, on est allé, non? Oui, on est allé. Le nouveau là, parce qu'il y a eu un nouveau survivant, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, du moins de ce qui était marqué dans les devlogs. Après, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'était ce qui était marqué dans les devlogs. Il est où, sous tu. Ok, on y est presque. Le truc c'est que je peux pas voir s'il y a des ennemis. Je tiens la torche, j'ai pas la chien brûlante. J'ai visité son premier donjon. Oui, tu parles bien oui du dernier, ouais, celui qu'ils ont rajouté. D'accord. Alors, je suis après avec mon perso, j'ai un peu plus avancé. J'ai récupéré la fermière et le charpentier. Non, on n'a pas récupéré ni l'un ni l'autre pour le moment. Je pense qu'on va essayer d'aller se récupérer le charpentier. Ah oui, tu joues. Ouais, bah, t'as raison. Oh, moi j'aime bien. Même en solo, tu vois, j'aime bien. Puis moi j'aime bien, contrairement à. Arc, alors que j'adore Arc, hein, pas de soucis, mais contrairement à Arc, le système de construction je trouve beaucoup plus simple. Je t'ai pas lu. Il préférait ce que full cac. D'accord, tu as fait full cac. Quasiment. Ouais, je développe. Enfin, j'aime bien utiliser les armes à distance. Fatigué. Enfin, nous faisions semblant de les lire. Et aujourd'hui, les obélisques cachent leurs vérités. J'ai été stupide de penser que je pourrais trouver une solution à mes problèmes ici. Personne n'entend mes prières et je me sens si fatigué. J'aimerais que tu sois à mes côtés, mon frère. Pardonne-moi. Vettel comme le Vettel. Ah, et bottes du vagabond, Lupi. On dit l'artefact. Un monde voué à la ruine. L'humanité s'éteindra, comme tous les êtres. Leur lumière vacillera et s'éteindra sans être touchée par l'éternelle flamme. C'est con, on est en train de nous dire qu'on est en train de, on va tous mourir. Insignifiant et minuscule face à une perspicacité pendant quasi infinie brûlante d'énergie. Nous transformons en poussière comme nous transformons en feu. Un cycle sans fin de ruines et d'agitation. Ouais, beaucoup plus permissif ouais, que dans Valheim la construction. Et plus modulaire aussi, je trouve. Des maraudeurs, on l'a fait tout à l'heure. Bon, ben on va se rentrer. On a des chapelles. Là, je sais qu'il y en a deux, des chapelles. J'avais mis, moi, sur ma partie perso, j'avais mis un petit téléport ici. On a lui. Charpentier, je vais mettre le charpentier. Je sais pas si on n'est pas un peu trop level. Enfin, un peu trop bas level, mais bon. On verra. On va d'abord commencer par rentrer à la maison.
Et vous dites, t'avais déjà tous les survivants? Ouais, après, je sais que des fois, t'as certains survivants qui sont compliqués à avoir. Enfin, compliqués. Pas dire compliqués, mais. Enfin, je veux dire, tu passes dans des zones un peu retors, quoi. Hop, ça, je vais la jeter, mais ça sert à rien. Ça, c'est mon bâton. J'allais virer mon bâton. Ça. Malheureusement, je jette. Comme ça, vraiment que dalle comme intérêt, et voilà. Coucou, cet endroit là qui est dans un bah oui, j'ai regardé de plus près. Oh. C'est la nuit. Mes parents. Ah, c'est la nuit. Non, c'est pas la nuit. Si, c'est la nuit. Allez, voilà. Et dodo. Voilà. Ouais, je vais faire une tour de guet. La chasseresse. Et eux, ils ont des petits. Alors, ça va changer un petit peu parce qu'il va pas avoir autant de place, hein, lui. Mais ils ont des petits magasins. Des petits magasins, enfin. On m'entend, hein, c'est pas non plus. Voilà. Ils ont des petits. Des petites échoppes. Et techniquement, la fermière, au début, elle va être un peu comme eux. Mais je vais lui faire aussi une petite ferme entourée de champs. Et pour ça, il va me falloir de la place. Je pense qu'au début, on fera des champs, enfin, pour un petit truc, puis on en agrandira quand on aura passé la flamme niveau, pas celui-là, niveau 3, avec les 120. Et moi, je me ferai un étage, je sais pas encore. Allez, alors, on va aller voir. Déjà la chapelle. Ensuite, on va essayer d'aller chercher les charpentiers. La chapelle, la chapelle, la chapelle. Là, je l'aurai jamais. Je vise là-bas. Ils sont trop vite, mon gars. Ils sont trop vite. C'est bon. Voilà. Non. D'accord, oui. Pour franchir, vous avez fait un sous-sol du coup. Ah, ça se fait aussi. Hein. mètres. Attends, je recharge un peu. Avoir du miel là. Y'a rien de miel ici. Il est là. Pas grave d'avoir pris le mur dans la tête. Il est même pas mal. T'es là-bas. Oui, ça tu piques la surdresse, ouais. Alors, hop, le charpentier. L'aide à la menuiserie.
Hors zone. Ah oui, je suis hors zone. Ça peut me dire plutôt le jeu que j'étais hors zone. Je me souviens, j'avais galéré pour passer. Je vais essayer de passer vers là-bas. Ah mais des fois tu sais, je trouve qu'il descend un peu trop... Enfin, la chute est trop rapide. Ça arrive des fois. Fait doucement chier la brume. Viser celui-là, mais j'y arrive. Bon, allez. Eh si. Ah ouais, parce qu'en fait c'est le coup du Z tu piques. C'est pas, je trouve moi, hein, c'est pas réellement intuitif. C'est parce que en fait quand tu t'élances, tu cours et tu t'élances et tu sautes et après tu fais trucs pour pouvoir voilà avoir le planeur qui se déploie. Et en fait voilà, là je reste appuyé sur Z, mais je pique pas. Je suis obligé de lâcher et reprendre Z. C'est pour ça que c'est pas... tu découvres tard. Je pense que c'est pour ça que tu as dû découvrir tard, Ganton. Pas tout le dire, surtout. C'est là-bas, c'est où? Passement ci-dessous. Et mon cul, c'est... Ouh, ils sont 7 là. Ouh. Toi, t'as pris cher. Pas ci-dessous. Hein. Je sais plus. Récupérer ton truc. On va aller voir cette tour là. Mais il est où ça? Je sais plus, il est dans la brume, lui, je m'en rappelle plus. T'as 12 ans forcé en consulte, ah oui. Moi. 4 ans résiste, et tu vois, après j'ai pas grand chose, hein. J'ai pas en force en consulte, tout ça. Ça, c'est une tour. Ah non, bah c'est bien plus bas. On va user et abuser. Je crois que j'en ai encore un. Un loup. Mettre un hôtel. Ci dessus, c'est bon. Je pensais qu'il était au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Allez. Hop, on va mettre l'hôtel ici.
1, histoire d'avoir un TP. Vu que c'est nos amis les embrumés. Il est là. Dans le charbon solitaire, je me rappelle plus. Ouh. Aïe. Bon bah attends. Il me manque 4 succès Steam, la récolte de l'ensemble des chapelles. De la flamme. Ah d'accord. Il manque plus que ça pour avoir maxé le jeu pour le moment, parce qu'il est encore en early quand même, mais pour le moment. Ça va ça. Aïe. Ok, t'es là-bas. Bah, attends, j'arrive. J'arrive pas en fait. T'es trop haut. Comment je vais faire pour monter moi? J'ai mis boule de feu. Aïe! Ah mais t'es là. Ah mais t'es descendu, d'accord. J'avais pas vu. Comment ça s'appelle les gros? Petit. Ah bah non, t'es là. Voilà. Si, ça y est, je me rappelle d'ici. Ça va piquer sévère. J'ai m'enflammé. Putain, mais détruis-moi ce nid. Voilà. Le nid que je voulais, moi. Et ça va, les petits, oui. J'aime bien. Alors, attends, tac. Voilà, plus de nid. Aïe. Oui, ça va les petits. Eh. Fasse pas tant de dégâts sur les nids. C'est ça, mais quand même.
Et il faut quand même y aller, quoi. Passe-moi aussi dessus. Attends. J'irai leur spawn, mais bon, on s'enfonce un peu plus. Coucou toi. Ouais, ça pique. Allez, on court. On peut le faire aussi, on peut le rusher. Il est là. Ah non, ça c'est un peu que c'est pas lui. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme s'il était là. Personne qui m'attaque là, c'est cool. Ok. Alors, t'es où toi déjà? Une genre de liche. Ah, ils font chier ce truc. Encore mieux, ils attaquent à distance. Et arrête de crier. Voilà, on l'a eu. Ou la torne, je sais pas quoi. Comment il s'appelle? Y a pas de derrière, je peux récupérer la ferraille. Je vais la farmer, je la farmerai. Là. Et on est dehors. Et on n'est pas dehors. Dans un trou. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Oui, il me reste une minute, ça va. Voilà. Ça fait plaisir. N'empêche, je commence à flipper un peu pour mes armements. D'ailleurs, j'ai rien récupéré de ce que j'ai buté en bas. C'est lequel le mien? Le mien 15 de puissance, celui-là il est 15 aussi, et j'ai des mantels. Et j'ai rien reçu d'autre, apparemment ça c'est mon bâton, donc c'est bon. Ok.
Ah, maintenant c'est cool, les gros cailloux, on n'est plus obligé de les miner à la main non plus. Ça, je savais pas, par contre, je l'avais pas lu. Ou c'est. Je suis passé à côté. On peut les démolir. Toi, non, je te tapais. Il y en avait certains. Ou alors c'est. Ah, mais c'est oui, c'est qu'ils sont. Oui, comme je disais, c'est qu'ils sont dans la zone de construction. Ouais, toi, tu l'es pas. Ça marche pas pour les arbres. Bon, toi je vais te laisser là pour le moment. On verra plus tard si je te retire. Je pense que je te retirerai. Bon, on verra ça plus tard. On va te payer un sanctuaire. Écoutez. Non, il y a une tour aussi. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont dans la zone maison. Je me suis douté. C'est ça, donc, alors, c'est de la magie. Je me rappelle le sketch de. Pas le sketch, non, c'est pas un sketch, mais. La vidéo de JDG sur Hogwarts Legacy. Où. Seb, il fait Dumbledore. La magie. Tu fais comme ça, ça me fait marrer. Coucou toi. J'ai oublié de t'attaquer deux fois. C'est tout. Ah, t'attaqueras plus. Réus foutu sanctuaire. Là on est bien en hauteur. Ah, il y a une structure de pont. Alors t'es où foutu sanctuaire, je te vois pas. C'est pas lui. J'ai l'impression qu'il soit dans la brume. Il y a une brume, mais j'ai pas l'impression qu'il soit dedans. Et c'est lui. On pique. Je suis un écureuil. Hup. Ah, des morts. Je vois des morts partout. Aïe. Allez vous piquer les gars. Vous piquez un peu. Ah tiens, encore un. Arrête d'appeler tes potes, c'est bon, c'est pas la peine. Je t'ai dit que c'était pas la peine d'appeler tes potes. Alors, mon ami est touché par le flame. D'accord. D'abord, vous avez été ma sauveuse. Les autres enfants se moquaient de moi quand je ne savais ni lire ni écrire. Les poussiez dans la boue en riant et vous me lisiez des contes jusqu'à ce que j'apprenne les mots. Vous étiez plus intelligente et plus courageuse. Plus tard, vous avez été mon amour. Les mains dans le lit de la rivière, je me suis confessé. Vous m'avez brisé le cœur, tout bien ardent que vous êtes. Je vous ai pardonné. Comment aurais-je pu ne pas le faire? Au moins, vous avez été honnête avec moi. Et maintenant, qu'êtes-vous? Une enveloppe creuse, brûlée par la colère, il ne reste plus rien de la femme qui m'était chère autrefois. Finalement,
Je vous ai dit de ne pas le faire. Et vous n'écoutez jamais, n'est-ce pas? Moi, je sais pas ce qu'il, c'est pas ce qu'elle a fait, mais c'était pas bien. Enfin, je sais pas, on leur a laissé tuer. En tout cas, du type, il en avait gros sur la patate. Bon, ben allez, on a récupéré ça. D'autres trucs après, il est un peu loin, on va pas les récupérer. On rentre à la maison. Ah, une feuille. Salutations, toi. Et c'est bon, t'as rien à me dire. Allez, on va mettre le charpentier ici. Pour le moment. Et elles sont mes potions de mana. Ah, elles sont là. Allez, voyons voir ce qu'il nous veut. Cad. Cade. T'inquiète, t'auras ton atelier à toi. Mais pas maintenant. Pas encore que je vais modifier la maison en off. Hein. Je modifierai la maison. Alors, sang de flamme, tu as cette étincelle? Nous partageons une passion, n'est-ce pas? L'architecture, l'art. Grave Robin. Robin, Grave Robin. Dans l'anglais, je sais pas ce que ça veut dire. Je veux dire, préserver la beauté oubliée. Oui, c'est ça. Ah, question, je te partageais. Ah ouais, si tu veux, ouais, pas de soucis, ouais. Tu peux. Ça fait, Canton. Il y avait, je sais pas si tu vois qui c'est, bien, il a fait pas mal de com sur les vidéos de Dakat. T'as Azul qui m'a montré un peu son serveur. Sa save aussi. Non, mais tu peux faire des trucs sympas. Hein. Mais oui, oui, à l'occasion, ouais. Tu peux m'envoyer ça, oui, pas de pire. Ah, pire de tombe, ok. Ouais, ça n'a pas été traduit, bon, c'est pas grave. Alors, la rumeur veut que notre reine ait été enterrée sans que l'on sache où, aux côtés de ses bibelots. Elle n'en a plus besoin maintenant. Elle est morte. Alors pourquoi ne pas partir à la découverte? Ouais, aller piquer les trucs, quoi. Ah bah oui, Graves, oui, oui, Graves, c'est tombe, oui, c'est vrai que je suis bon. Et le pont. Vous avez trouvé mes notes? Oui. Je suis longtemps considéré parmi les meilleurs. Même si ma tante Breline... Ah, c'était une femme, Breline, d'accord. Et dans notre avis? Bien sûr, les grands artistes ont une signature pour marquer leur travail. La mienne, c'est un coffre que j'ai posé dans les fondations du pont de Breline. D'accord. Juste à côté du pilier du milieu. Malgré tous mes efforts, personne n'a encore rien remarqué. D'accord. Faudra qu'on aille chercher ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu rapport sur la construction et le tombeau de la reine. L'apprentier veut que vous trouviez le tombeau caché de l'ancienne reine pour déterrer ses trésors. C'est vrai que t'as raison, je suis un... Un peu un grève robber. Oui, 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 oui. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Ah, c'est pas, mais c'est littéral. Bah écoute, ouais, pourquoi pas, faudra qu'on s'organise ça. Ouais. Je passerai voir. Le râteau fragmenté. Samedi. Il va coûter quelque chose, ça, le râteau. Donc, avec lui, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire? On va pouvoir construire un séchoir. Bien. C'est plutôt bien. On va pouvoir construire un meilleur planeur. Ça, c'est cool. Et il nous faut du lin et des sacs de brume. Ça, on n'a pas encore. Le séchoir, c'est le tas d'argile. Alors, le tas d'argile, on va bientôt en avoir, mais ça sera pas maintenant. Donc, le lit en bois, mais il est pas mieux que celui que j'ai. Donc, voilà. Il fait plus d'eau aussi au confort. Et les tables, les foyers. Sauf qu'on va attendre un peu les foyers, les salles de bain, des éclairages. Des jolies portes. Ça gère des échelles, ça c'est bien des échelles. Et bien sûr les portes secrètes. Lui nous fait les portes secrètes. Ça, on verra ça plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent les deux? Tu me veux quoi toi? Ouais, j'ai secoué le charpentier. Ah, notre visage amical.
Voilà qui fera un bel ajout à notre groupe. Ouais, t'as vu, hein. Il est où ton mortier? Mon fini d'El mortier est perdu. Bah, reconstruisant. Ouais, les fenêtres rondes, ouais, j'avais vu sur le truc que c'était la mage qui l'a porté. Une nouvelle fenêtre, en fait, qu'ils ont fait des nouvelles fenêtres. Mais oui, c'est bien. C'est cool. Après, faut voir l'utilisation, comment ça fait, mais on peut faire maison de hobbit. Avec les portes rondes. Je pense qu'il est dans ma tour au plus profond du chardon solitaire. Je vous en prie, trouvez-le pour moi. Mes capacités seront bien meilleures avec. D'accord, on ira. Et toi, tu veux quoi? Équipement perdu. Ah, où se trouve-t-il? J'avais un coffre avec des matériaux récupérables, mais on me l'a volé. Je le dis, quelqu'un l'a pris pendant que je dormais dans cette foutue nacelle. Renseigne-toi pour moi, tu veux? Quelqu'un ici est un sale voleur. Bizarrement, la quête se déclenche quand... La quête se déclenche quand tu récupères le charpentier. Donc, ça peut être que lui qui l'a piqué. Un code d'équipement, du calme. Oui, j'ai emprunté. Vous voulez finir un vieux projet. Si vous en parlez au vieux Oswald, je pourrais bien perdre votre main. Ah quoi, t'as perdu une main? Pas fait gaffe. On a eu là, j'ai pas vu d'autre. Bah écoutez, je vous dis où le trouver si vous êtes discret. D'accord? Oui, c'est vrai que c'est un charpentier. Ah oui, il a perdu sa main. J'avais pas fait gaffe, tiens. Il a perdu sa main. Allez hop, ça va là. Ça va là. Hop, on va faire du transfert. Non. Rock'n'roll, s'il te plaît. Oula, l'épée violette, on en a plein. Le sel, ça vient pas là. Cœur de brume, je pourrais le mettre là-bas aussi. Il me reste le sel et la fourrure. Ben, on va le porter là-haut. Faut que je mette des lupiotes à elle. Un peu dérangeant. Ouais, je vais te mettre des lumières, hein, parce que sérieux, c'est compliqué. Vite de redescendre à pied. Et voilà. Allez. Pour vous qui regardez la rediff sur YouTube, j'espère que ça vous a plu. Donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous à tous.